Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ObjectiveMoto.com. Comme je vous le disais, on a reçu de chez Icon cette veste Automac 2 que je vous ai déjà présentée en vidéo. Maintenant, il est au tour du casque Airform. Alors le Airform, c'est le casque entrée de gamme de la marque Icon et qui arbore déjà un look, même en coloris uni, assez surprenant, notamment avec cette mentonnière très très large et qui descend très très bas. Elle descend tellement bas qu'elle fait même l'impasse sur le cache-menton. Et le seul inconvénient, forcément, pas de cache-menton. Et oui, l'insonorisation du casque, ça sera malheureusement son point faible. Mais malgré tout, on peut l'expliquer. D'une part, il n'y a pas de cache-menton. En plus, vous le voyez, vous avez les ventilations ici. 3 dans la mentonnière et aucune ne ferme. Donc forcément, vous êtes en ventilation permanente. De ce côté-là aussi, ça va faire un petit peu plus de bruit. Vous avez quand même une ventilation réglable ici sur le dessus, simplement ouverte ou fermée. Casque basique, il est vrai, en thermoplastique, c'est vrai aussi. Malgré tout, un poids quand même, on va dire presque raisonnable, 1620 grammes, 1630 grammes pour cette version ici en taille L. Ça reste tout à fait raisonnable, je dois l'avouer. Un petit peu lourd, c'est vrai, mais bon, si vous comparez forcément à de la fibre ou du carbone, c'est tout à fait normal. Et puis surtout un look vraiment unique. Vous l'aurez remarqué, vous avez également un écran solaire intégré avec un réglage en deux microns ici au milieu. La fermeture de l'écran se fait uniquement ici avec le petit plot qui est là. L'écran solaire, comme vous voyez, descend suffisamment bas. Vous avez même la possibilité de rouler avec l'écran principal ouvert et l'écran solaire abaissé. C'est tout à fait possible aussi en plein été. Pour accompagner ce casque, je dois encore la monter. Vous aurez sur les photos un écran chrome comme celui-ci. Et pourquoi? Parce que vous avez aussi la possibilité de modifier un petit peu votre casque. Avec les deux spoilers que vous avez ici sur le côté, vous avez la possibilité d'avoir des spoilers d'une autre couleur. Ici, évidemment, ils nous les ont envoyés version chrome, comme la visière. À mon avis, ça va être assez sympa sur ce noir mat de retrouver les ailerons ici en version chromée et la visière également. Bien entendu, je vous mettrai toutes les photos, je voudrais pas que vous ratiez ça. Peut-être encore un petit détail avant de vous mettre la touche finale. Vous avez encore ici la sortie d'aération. C'est vraiment un très très beau casque. Je vais vous l'enfiler juste pour vous le montrer. Voilà, comme vous voyez, la mentonnière est quand même très très large. Il descend largement en dessous du menton. Ce qui explique aussi évidemment qu'il n'y a pas ce cache-menton. L'écran solaire, comme je vous le disais, qui descend très très bas. Il est même à la limite de toucher mon gros pif. Et côté prix, je vous le mets ici. Et oui, ça reste tout à fait raisonnable pour un casque comme celui-ci, qui certes n'est pas un casque en fibre ni en carbone, mais malgré tout, ça vaut le déplacement. C'est pas trop cher, c'est personnalisable. Et il y a des coloris, ma foi, assez originaux. Il y en a sûrement d'autres qui viendront encore. On connaît Icon de ce côté-là, on n'a pas trop de soucis à se faire. Vous retrouverez bien entendu l'article complet, les photos, une fois que j'aurai aussi monté l'écran Iridium et les spoilers chromés. Ça, bien entendu, je vous les montrerai aussi. Mais là, il était temps pour moi de vous montrer cette vidéo. Un article, évidemment, Objectif Moto. À très bientôt, les amis.